Du coup, là, en attendant, ben, je suis un peu confiné chez moi, hein. Je peux pas vraiment sortir. Parce que si je sors, ça va s'empirer. Voilà. Du coup, je reste chez moi, je regarde les débats politiques. On se fait chier quand on est malade. Parce que quand on est malade, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir une vie fade, une vie lasse, une vie moins drôle. Oui. Du coup, voilà. Le bon Dieu, j'ai rien à faire. Du coup, si quelqu'un il veut parler ou me dire un truc ou je sais pas, me dire un truc à faire ou quoi, sans sortir de chez moi, je suis preneur, voilà. Après, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que malgré que je suis malade en ce moment, je regrette quand même pas d'avoir fait le vaccin. C'est le prix à payer pour être libre, en fait. C'est des fois la liberté, tellement elle est chère, elle peut même te coûter ta santé. Et c'est dangereux. Du coup, le faites pas sans réfléchir. Moi, j'ai quand même réfléchi pendant des semaines et des semaines, même des mois. Donc, ouais, le vaccin, c'est pas un truc à la légère, en fait. Si vous voulez le faire, faut être déter et il faut avoir des bonnes raisons de le faire. Les gars qui disent ouais, Ralem, tu fais semblant d'être malade. Il faut que j'éclaircisse les choses avec vous parce que apparemment il y a certains ils ont toujours pas compris les choses. Ils ont toujours pas compris comment ça marche avec moi, les choses comment elles se passent. Tous ceux qui croient que je fais semblant d'être malade, je vous emmerde, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça, frère.